famille, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille, hein, malgré la situation du Covid, enfin malgré tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. J'espère que vous profitez pleinement de votre été, que vous en profitez bien avant la rentrée de septembre, hein, pour celles et ceux qui sont en vacances. Eh bien moi, écoutez, j'ai quoi que vous dire. Là, ça va être une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous jouer de morceaux, je ne vais pas vous faire de musique. Oui. Je vais simplement vous parler un petit peu de mes projets futurs, que vous voyez un petit peu l'étendue, enfin pas l'étendue, mais en tout cas comment je compte faire évoluer un petit peu les choses dans le projet du Vagabond des Cordes. Alors le projet du Vagabond des Cordes se compose de deux grandes parties. Pour l'instant, je ne développe que la première partie, la deuxième, je ne vais pas vous en parler, en tout cas pas tout de suite. Voilà, pas dans cette vidéo-là. La première partie, parce que c'est tout simplement le spectacle tel que je le propose dans les établissements où je joue. Avec les différents morceaux tels que vous les avez déjà entendus sur la chaîne. Hein. Donc aussi bien quelques irlandais, les chansons françaises, etc. Il y aura quelques chansons françaises qui ne sont pas encore sur la chaîne, mais que j'enregistrerai très bientôt, que je vous proposerai très bientôt sur la chaîne. Comme par exemple Le Pénitencier de Johnny Hallyday. Alors ce sera une version un petit peu évidemment personnalisée, comme ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. Il y aura également Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand. Voilà, donc là c'est pareil, ce sera une version un petit peu spéciale aussi. Et puis il y en aura d'autres hein, que j'ai pas en tête là pour l'instant, mais voilà, dont je vous prépare au fur et à mesure de l'avancée de cette chaîne, de cette première chaîne. Alors il y aura aussi des morceaux un petit peu spécifiques comme Bella Ciao, hein, Bella Ciao. Alors bon, c'est un classique, hein, beaucoup de groupes, beaucoup de musiciens indépendants le reprennent, mais bon, je me suis dit que comme c'est un morceau phare entre guillemets, hein, j'entends, il fallait que je vous propose quand même ma version quand même personnelle. Voilà, donc je voulais vous faire part un petit peu de ces projets là. Alors là, je profite un petit peu de cette vidéo pour vous poser une petite question. Je vais vous donner des titres de morceaux que je suis en train d'arranger ou que je vais bientôt arranger et que vous pourriez avoir envie d'écouter sur cette chaîne, sur la chaîne YouTube Le Vagabond des Cordes. Parmi ces morceaux, et je vais vous demander de choisir un, deux ou trois morceaux que vous aimeriez écouter sur cette chaîne. Alors parmi eux, il y aura Mistral Gagnant, grand classique de Renault. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Santiano, Hugo Frey, Dès que le vent soufflera, Renault. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors après, il y aura des morceaux un peu différents, comme par exemple Initial BB plutôt, de Gainsbourg, hein, que vous avez peut-être déjà entendu, que vous avez certainement dû entendre, hein, à mon avis, voilà, c'est un grand classique de la chanson française. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Alors après, il y a une musique de dessin animé. Alors, ceux qui ont mon âge, enfin, qui sont de ma génération et qui ont vu le dessin animé Anastasia, qui est sorti en 98 ou 99, je crois, il y a une chanson qui est particulièrement belle et que j'ai bien envie de reprendre, c'est Loin du froid de décembre. Pour celles et ceux qui connaissent, alors si vous avez envie de l'écouter, pareil, vous pouvez me la mentionner dans les commentaires. Et puis, et si vous avez d'autres chansons, d'autres chansons spécifiques que je n'ai pas forcément mentionnées, que je n'ai pas mentionnées là, mais que vous aimeriez écouter, que vous aimeriez que j'arrange, puis que je vous propose après dans les vidéos YouTube, sur YouTube, puis même sur la page Facebook, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Voilà. Eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos suggestions dans les commentaires. Hein, bien sûr, j'y tiens. Personnellement, j'y tiens. Et puis, que dire d'autre? Eh bien, portez-vous bien, tout simplement, prenez soin de vous. Mettez-moi un petit like sous la vidéo, ça fera toujours plaisir. Commentez, partagez la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du Vagabond des Cordes. Voilà les amis, je vous aime, portez-vous bien, à bientôt !